Bonjour. 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 On en a quelque chose. Bonjour. 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 On en a quelque chose. Regardez, regardez. Je veux quelque chose. Je l'aime, Ruskov. Il n'y a pas de quelque chose. Maman est achète, il n'y en a plus, maman. Tu veux quelque chose? Bonjour mes filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. Alhamdoulilah les filles. Alors, vous savez, en ce moment, je suis à fond dans mon bien-être. Je vais m'enlever tous mes toxines de mon corps. Donc là, je prends mes compléments alimentaires de Charmony. C'est une marque super connue, les filles capturées. Celui-là, c'est pour la belle peau. Hop là, pour ma peau. Pour avoir une belle peau sans imperfection. Toujours avec mon Ouari, mon coup de cerise pour enlever mes toxines. Le coup de cerise, les filles, il enlève les toxines et il fait le ventre plat. Moi, je le prends pour les toxines, j'ai déjà le ventre plat. Et là, ceux-là, les filles, sont trop bien aussi, capturés. C'est à base d'huile de foie de morue. Vous savez que c'est très, très bon pour la santé. C'est les oméga 3. Voilà. Faut pas les exposer. C'est pas bon, l'huile de foie de morue. On en a. Alors, pour moi, programme d'aujourd'hui, je vais me préparer. Journée yacht avec mon ami et ma demi-sœur. On va kiffer un petit peu aujourd'hui. Je vais me préparer. Je sais pas, j'ai envie de me faire des boucles. Voilà, je vais préparer ma tenue. Puis on va se préparer ensemble, les filles. Ah, et petit retour NAD+. Eh bien, hier, j'ai dormi un peu tard parce que j'étais pleine d'énergie. Là, les filles, je me suis levée tôt. Je me suis levée à 9h. Pourtant, je me suis levée de 5h à 6h. Je suis remplie d'énergie. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Et vous savez, genre, souvent, je ressens du stress parce que ma vie, elle est stressante. Eh bien, vous savez, cette boule d'angoisse, de stress que je ressentais, je ne l'ai plus du tout. Ça me l'a enlevé, le NAD+. C'est un truc de fou. Mais les filles, j'ai une nouvelle passion. C'est ça. C'est la poudre blanchissante. Miss Smile, hier, d'ailleurs, je vous ai donné un code. Je vous jure, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est une poudre blanchissante. Mais je sais pas ce que... En fait, ça, c'est une matière trop bizarre et j'aime trop ce que ça fait dans la bouche. En fait, c'est de la poudre, regardez. Vous trempez la brosse à dents comme ça. C'est vraiment bien. Vous voyez les dents, ça se transforme en mousse. Mais dans votre bouche, ça fait une sensation trop bizarre. C'est pour eux. Non, ça se transforme en mousse. Je vous jure, c'est trop agréable. Et ça vous l'envoie, ça nettoie trop bien les dents. Comme si, genre, ça te limait un peu les dents. Et ça les nettoie en profondeur. Ah, j'aime trop la sensation. Thank you.
Alors, on est presque sur la fin. On va laquer un petit peu. Ça tient bien. Je la queue. Je fais un brushing de star et pourtant j'ai pas les cheveux propres. Hein. Là, je fais ma grande douche. Ce soir, je mets mon huile. Là. Hop là. Oh, j'aime trop, mais je pense que je vais encore plus me dégrader les cheveux. Oh là là, j'aime trop. Vous en pensez quoi, les filles? Oh, j'aime trop. Le Célesta, c'est trop de la bombe, les filles. Attendez, je vais un peu les ouvrir, les boucles. Je veux qu'elles restent définies quand même. Juste un peu les ouvrir. Faut que je dégrade plus. J'irai chez le coiffeur la semaine prochaine. J'aime trop. Allez, mes vies, on se prépare ensemble. Alors oui, je vais me maquiller, même si je vais au yacht. Faire du yacht parce que... Faut que je coiffe mes cils. Déjà parce que je veux plus m'exposer au soleil. Et pour avoir l'effet bronzant, j'ai trouvé une astuce. Je mets un spray bronzant avant de dormir. Tous les deux jours. Et après, j'ai le visage bronzé. Donc je m'expose plus au soleil. Parce que le soleil, c'est le premier facteur du vieillissement de la peau. Voilà, donc je prends soin de moi, c'est important, mes vies. J'ai une vidéo à tourner dans le yacht, sur le yacht. Là, je sais plus parler ou quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me fais jolie. Sinon, vous savez, hein, quand je vais à la plage, vers du yacht. Je me maquille pas. Hop là. J'aime beaucoup ma coiffure. Hein. Elle est très belle. Alors que j'ai pas les cheveux propres quoi. Je lave demain. Alors mes vies, je sais pas vous, mais moi, je ne suis plus une féministe. Avant je l'étais. Et maintenant je le suis plus du tout. J'ai peur de me faire massacrer en disant ça. Mais c'est vraiment, vous savez que je suis honnête avec vous. Je vous dis tout ce que je pense. Alors, j'aime pas le féminisme, parce que je trouve que le féminisme, ça a tué des mariages. Je trouve qu'en fait, les féministes, elles sont un peu extrémistes, dans le sens où elles se mettent au même niveau que l'homme, alors que pour moi, et pourtant avant j'étais féministe, mais avant j'avais pas la même façon de penser, pour moi, l'homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, le féminisme, ça a tué les mariages parce que justement, les femmes, elles prennent un peu la place de l'homme. Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas du tout féministe. Je suis pas... Voilà. Et même en étant une femme indépendante, je suis pas pour le féminisme parce que moi, je trouve qu'un homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, une femme, elle doit avoir sa place de femme. Une femme, même une femme indépendante comme moi, une femme, elle doit cuisiner à son mari. Pour moi, l'expression la femme de la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui, oui. Pour moi, la femme, une femme, elle doit respecter son homme, même en étant indépendante. Bon, ça c'est la base, mais elle doit s'occuper d'un homme et c'est à la femme de s'occuper du foyer. Maintenant, oui, bien sûr que l'homme, il peut mettre la main à la pâte, bien sûr, mais pour moi, c'est à la femme de faire les tâches ménagères. Je sais pas, je trouve ça bizarre, un homme qui fasse le ménage. Voilà. Après, il peut aider, mais je vois pas un homme passer la serpillière. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est à la femme de le faire. Qu'il fasse à manger de temps en temps, ouais, mais c'est à la femme, à 99 ans. C'est à la femme de cuisiner, de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'homme. Oui, une femme, elle doit prendre soin d'un homme. Et c'est pour ça que je suis plus féministe. Parce que j'ai plus la même façon de penser qu'avant, alors qu'avant, je l'étais. Hein. Et pour moi, les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui ont été déçues en amour. Mais je pense que souvent, les femmes qui sont déçues en amour, c'est parce qu'elles choisissent mal leurs hommes.
Je veux dire, quand tu choisis ton homme, tu regardes ses centres d'intérêt. Forcément que si ses centres d'intérêt, c'est aller en boîte de nuit, aller à la chicha avec ses potes, voilà, si c'est la fête, forcément, eh ben, tu vas être, y a plus de probabilité que tu sois cocu. Et du coup, déçu. Et souvent, les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui sont attirées par les bad boys. Vous voyez? Mais une femme, elle doit bien choisir son homme comme son homme doit bien choisir sa femme. Et souvent, les femmes féministes, c'est des femmes qui ont été déçues par les hommes. Mais souvent, tu es déçue par un homme parce que tu fais le mauvais choix. Tu choisis la mauvaise personne. Je veux dire, tu vas trouver ton mec en boîte de nuit. Forcément que tu as plus de probabilité d'être cocu. Et voilà, pour moi, le féminisme, ça tue les mariages. Et même en étant indépendante, je me répète, hein, quand je parle, oulala, faut que je change ma façon de parler. Mais voilà, pour moi, la place de la femme, elle est dans la cuisine. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de son mari. Et après, son mari aussi, il doit ramener l'argent. Même si tu es indépendante. Alors, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre le féminisme? Moi, les filles, je suis contre le féminisme. Pour moi, la place de la femme, elle est à la cuisine, même en étant une femme indépendante. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même s'il est un peu autoritaire. Faut accepter. Après, non, pas qu'il soit violent non plus, vous voyez, mais il faut l'écouter, quoi. Et il faut respecter son mari, s'occuper de ses enfants. Je sais pas, c'est le rôle de la femme. Et l'homme doit aller travailler, doit ramener l'argent. Voilà. Allez, c'est bon, je suis prête. Hein. On va se parfumer ensemble et on va se faire un look du jour. Vous aimez? Allez, mes vies, on se parfume ensemble. Alors, en ce moment, mon combo du moment, c'est un musc, hein, comme d'habitude, c'est le pitch, les filles. Allez, comme il sent bon, les filles. En ce moment, je me fais une odeur très, très, très fruitée. Donc, le musc, j'en applique sur le cou. Bien, allez, les filles, comme ça sent bon, au nom de Dieu, j'ai même pas besoin de mettre du parfum. Ça vous va ou pas? J'en ai même pas besoin. Mais comme je suis une abuseuse, j'aime sentir bon, j'aime quand je dis bonjour, ils me disent « Aïe Maëva, tu sens trop bon! C'est quoi ton parfum ?» Oh là 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 là, aïe, l'odeur du pitch, les filles, c'est une dinguerie. Et mon parfum, c'est la Perle d'Or de chez Sinachi. C'est la même marque. Et ouais, j'abuse. Oh, 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 oh. Bien sucré, bien comme on aime. Maëvi, vous allez être trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai un gros code Sinachi pour mes muscles préférés au monde, vous le savez. Alors, Sinachi, les filles, c'est les meilleurs muscles. Pourquoi? Parce que déjà, le packaging, il est trop bien. Il est trop pratique, mais surtout parce qu'ils sentent bon. Ils tiennent, les filles, au nom de Dieu, jusqu'à votre prochaine douche. C'est une dinguerie, l'odeur de ces muscles. En plus, ils ne sont pas collants. J'ai testé d'autres marques. Les autres, ça me faisait des taches sur les vêtements. Ils étaient collants, genre ça pégait. Et en plus, comme j'habite à Dubaï, il fait souvent humide, ça pégait, j'étais mal à l'aise. Eux, ils ne sont pas collants. Ils ne tachent pas les vêtements. Et ils ne sont pas chers, les filles. Ils sont vraiment, vraiment pas chers. En plus, j'ai une grosse offre. Et Sinachi, les filles, ils sont tellement sûrs de eux. Tellement sûrs de eux. Que c'est satisfait ou remboursé. Mais sur la tête de ma mère, c'est impossible que vous allez vous faire rembourser. Tellement c'est une dinguerie, ces muscles. En plus, là, j'ai une grosse offre. Et pour mes senteurs préférées, donc c'est Peach, celle que je mets en ce moment. Classique, Monoï, vous le savez aussi. Classique Monoï, vous le savez. Et Barba Papa. Les filles, ces quatre-là, je vais vous les mettre en photo. Capturer, c'est une dinguerie. Alors là, les filles, soyez prêtes pour l'offre de dingue Sinachi que j'ai.
j'ai moins 10% sur le lot de muscles, donc de deux muscles, plus moins 20%, ça vous fait un total de moins 30%. D'accord? Avec les moins 20% supplémentaires qui sont cumulables. Ça vous fait 14 euros le muscle, les filles. C'est vraiment pas cher. Et pour avoir le lot de deux muscles, vous ajoutez le lot de deux muscles dans votre panier. Vous allez voir dans le site, il y a le lot de deux muscles, les filles. Et je vous ai mis mes senteurs préférés, les quatre. Barba Papa, Monoï, Piche et Classique, les filles. Je vous balance le code et de rien. Allez mes filles, on se fait un look du jour. Alors les filles, j'ai mis un ensemble vraiment trop beau. Je vais faire du bateau les filles, hein. Je vais faire du yacht. Donc c'est un ensemble de chez Fashion Nova. C'est pour ça que je me permets de m'habiller un peu comme ça. C'est parce que je vais au bateau les filles. Après j'ai pas rien autant le sac. Ensuite les filles, j'ai mis des claquettes Dior couleur vert trop trop belle. Un petit panier Louis V que mon ami m'a offert à mon anniversaire. Et voilà les filles. Est-ce que vous aimez pour un look après-midi yacht? Et après le look du jour, on se fait le conseil du jour. Alors les filles, on n'oublie pas. On veut devenir la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, moi, je cherche à devenir la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que je vous donne tous ces conseils et je veux que vous soyez mieux que moi et je veux qu'on devienne ensemble la meilleure version de nous-mêmes. On est en mode réinitialisation. Alors le conseil du jour, c'est de laisser sa place d'homme à son mari. C'est très très important. Moi avant, j'avais tendance à être un peu dure, vous voyez, et à pas laisser trop trop sa place avec l'homme avec qui j'étais et du coup bah, c'était très conflictuel et ça se transformait très vite en relation toxique et bon maintenant j'ai changé et c'est grâce à ma thérapie ça que j'ai changé parce que bon bref je vous ai déjà expliqué mais moi j'ai des antécédents de peur d'abandon et tout j'avais des problèmes avec les hommes et tout bref j'ai changé et du coup je trouve que c'est super important de même une femme indépendante, de laisser sa place d'homme à son mari, c'est-à-dire de respecter son mari, d'écouter son mari, même si il est autoritaire, et de nous garder notre place de femme, c'est-à-dire que notre place, elle est à la cuisine, et on doit s'occuper du foyer, de faire à manger, de s'occuper de notre famille, de nos enfants, de faire le ménage, et l'homme, il doit ramener l'argent. Voilà, moi, je suis pour les couples à l'ancienne, les mariages à l'ancienne. Et de toute façon, c'est les mariages à l'ancienne qui marchent. Dans des mariages, quand il y a du féminisme, généralement, ils divorcent très, 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 très vite. Donc voilà, les filles, laisser sa place d'homme à son mari et avoir une place de femme et un rôle de femme. Bon, mes vies, je reçois plein d'avis. Vous n'êtes pas trop d'accord avec moi du fait que je sois plus féministe. Mais comme je vous ai dit, les filles, bien sûr qu'un homme il peut aider pour les enfants, aller chercher à l'école et tout, peut aider dans les tâches ménagères et tout, mais je sais pas, je vois mal un homme frotter la maison. En tout cas, pour moi. Après, les filles, c'est pas grave, hein,
on a le droit d'avoir, de pas avoir le même avis, c'est rien. C'est rien. Mais oui, l'homme, il peut aider, mais pour moi, un homme, il doit rester à sa place d'homme, une femme, elle doit rester à sa place de femme.
Bon, les filles, petite modification de planning. Là, je vais vite faire ma villa. Valider le carrelage. Parce que la dernière fois, je n'aimais pas du tout les couleurs. Moi, j'aime le mat. Et j'aime le très, très clair. Et du coup, ma villa, elle est à côté de la plage. Elle est à côté de là où je vais pour le yacht. Donc, je suis à 5 minutes. Donc, j'ai dit, mon architecte m'a appelé. Il m'a dit, vas-y, est-ce que je valide? Mais c'était par photo. Et la vérité, j'ai peur. Je veux être sûre. Donc là, je suis à 5 minutes. J'y vais à fond. Et après, je vais au yacht. Et je serai même pas en retard au yacht parce que je suis à 5 minutes. Allez les filles, j'étais au téléphone avec ma mère. Il y a une usine à Marseille qui a explosé. Ils ont tous reçu une alerte de se mettre à l'abri. Il faut mettre des masques et tout. Donc faites attention les gens de Marseille, à ceux qui connaissent Saint-Menet, ceux qui habitent pas loin. Je pense que vous l'avez reçu. Et ben l'usine elle a explosé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut mettre des masques et tout. Attention, ma mère elle a un problème à cause de ça. Oh, je suis très inquiète là. Inch'Allah, fais des dollars pour ma mère, s'il vous plaît. Oulala, les filles, regardez, je suis à ma villa. Ah, lui, j'aime beaucoup les filles. Alors, je vais vous montrer. Il faut que j'envoie à ma mère aussi. Hein, là, il m'a mis tous les échantillons. Alors, vous voyez, lui, c'est un beige trop foncé, j'aime pas. Mais je veux du clair, je veux pas du gris. Là, il y a blanc, mais c'est trop blanc. Là, c'est les gris. Là, c'est les beiges. Ah, lui, ça va être trop beau. Lui, hein, les filles. Je vais envoyer à ma mère aussi. Alors les filles, je pense que je vais choisir, même je suis sûre, oh, il y en a encore un là. Ah non, mais lui, il est brillant. Je dis que je me ramène du brillant là. Je veux du mat. Je pense que je vais choisir lui. Et en fait, je vous montre un peu les filles. Bon, allez. Alors là, j'ai agrandi, vous voyez. Je fais extension. Là-bas, là, c'est la salle à manger. Et là, ça va être la cuisine. Elle est immense. Et dans la cuisine, je vais mettre du carrelage partout. Je vais mettre lui, blanc. Moi, j'aime clair et j'aime mat. Et au niveau de la cuisine, je vais mettre du parquet pour délimiter. Ça va faire trop beau. J'essaie de vous montrer comme je peux. Bon, c'est tout cassé. Hein. Donc là, ça va être le salon, les filles. Vous voyez? Bon, là, c'est... Je vous montre un peu. Là, c'est les toilettes d'en bas de invités. Là, c'est le trou de l'ascenseur. Là, il y a les chambres, enfin, il y a deux chambres. Là, c'est les escaliers. Là, c'est la buanderie. Après, elle a trois étages, ma maison. Ma chambre, elle est immense. Elle a deux chambres en bas, immense. Trois chambres en haut. Et au dernier étage, encore une chambre, mais je ne vais pas la faire en chambre. Et là, je vous montre. Donc là, comme ça, vous avez la cuisine ici. J'ai agrandi, vous voyez? Le trou, là, c'est pas fini. Je vais mettre une verrière, les filles. Et là, donc, voilà, ça fait comme ça. Tac, 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 cuisine. Là, va y avoir la verrière, ça va être magnifique. Oh, les villas, les filles, elles sont trop, trop belles de là où j'ai acheté. Là, ça va être la cuisine délimitée par le parquet. Là, ça va être la salle à manger. Et tout ça, là-bas, le salon. Voilà. Yeah, it's very nice. Yeah, very, very nice. Thank you. Nice to meet you. Yeah, it's very nice. Yeah, very, very nice. Les filles, il y a mon voisin qui est venu me voir. Il a une maison, c'est celle d'en face. Magnifique. Alors, c'est un Libanais. Et parce qu'il a vu que je galérais à ouvrir. Donc, il m'a envoyé son driver m'aider. Et après, il est venu me voir dans la maison. Il m'a dit, tu vis seule? Tu as une famille? J'ai dit, non, je suis toute seule.
Il m'a demandé d'où je venais et tout. Il m'a donné son WhatsApp si jamais j'ai besoin. Trop gentil. C'est important de bien s'entendre avec nos voisins. Il m'a dit, mais c'est une grande maison pour toi toute seule. J'ai dit, oui, mais c'est l'investissement de ma vie. Attendez, je vous montre sa maison, les filles. Attendez, je vous montre. Machallah, là, au moins, Belek. Alors, sa maison, celui qui est venu me voir, c'est elle. Regardez comme elle est belle. Bon, ma maison, elle est pas encore finie. Ensuite, regardez. Oh, le quartier, il est trop, trop beau, les filles. Celle-là, comme elle est belle. Ça, c'est la sienne. C'est le monsieur qui est venu m'aider. Et là, il y en a une autre. Faut que je montre pas trop là où j'habite, les filles. Mais regardez. Moi, j'aime celle-là et celle d'à côté. Je vais faire un design, moi, tout blanc comme ça, avec des traits comme ça. Ça va être magnifique, Inch'Allah, ya Rabbi. Je vous montre un peu comment c'est. Là, je suis au deuxième étage. Donc ça, c'est le trou pour l'ascenseur. Là, regardez. Voilà, comment c'est. Alors, je vous montre. Hop là, là, on rentre dans ma chambre. Ma chambre, elle est immense. Alors là, je vous explique, c'est ma future salle de bain. Ici. Ensuite, ici, c'est mon dressing, sac et chaussures. Bon, ça va être fait, voilà. Comment c'est. Ici, il va y avoir une cloison. Pour faire mon dressing de vêtements. Ma chambre, elle est immense, les filles. Elle fait 150 mètres carrés. Et là, ça va être là où il va y avoir mon lit. Ma vue, elle est magnifique. J'ai la vue sur la skyline, sur les buildings de Dubaï, de ma chambre. Là-bas, il m'a fait ça, l'architecte, pour coffre-fort, mais vrai coffre-fort. Voilà, là ça va être ma salle de bain. Je vais mettre la baignoire au milieu, je vais faire une estrade, douche, toilette, elle est immense. Regardez, attendez. Regardez les filles, là je suis en foin, hein. Elle est immense ma salle de bain, voilà, dressing et tout ça. Là les filles, à l'étage, il y a encore une chambre que je vais transformer en cinéma et salle de prière, Inch'Allah, ya Rabbi. Et là il y a encore deux chambres d'amis. En tout, il y a six chambres. Voilà. Bon, sans travaux, hein. Ça, c'est les salles de bain d'amis. On va mettre les dressings, des belles salles de bain. Là, voilà, je vais faire, je vais mettre un canapé, une bibliothèque et tout ça. Là, l'ascenseur restera là. Et après, encore une chambre d'amis ici. Je vous montre, elles sont super grandes. Et là, la future salle de bain d'amis, je vais passer fermée. Bref, Inch'Allah, bientôt, c'est fini là. Allez, on avance. Voilà, allez, je vais à mon yacht. Oh là là, j'ai hâte que ce soit fini, les filles. Allez, les filles, maintenant, go yacht.